Bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères chum, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est lundi, 14 octobre 2024, ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, comme d'habitude, nous là pour nous porter information pour vous, pour nous brasser l'idée sous tout petit détail important qui peut dominer l'actualité. Malheureusement, et pendant le week-end, il y a une très mauvaise nouvelle qui frappe le pays, qui frappe tout haïtien qui est conscient, tout haïtien qui qu'on apprécie, tout haïtien qui te comprend l'importance canal dignité, canal KPK. Ces nouvelles en mort et Boss Milouz et Milouri Silfra et en pile moun, en pile haïtien et depuis ces moun qui te focus sur question canal, depuis ces moun qui t'a bataille pour canal, yo pas capa konnen Boss Milouz. Et malheureusement samedi matin bonheur nous t'a pral pran et nouvelle l'an mort femme voyant ça qui t'a montré et de son vivant fou gri t'a gagné dévouement t'a gagné li t'a croire dans cause pays li t'a connait t'a croire non raison li t'a bay tête li on raison pour t'a faire bataille paysan pour t'a faire bataille canal dignité a et peut-être t'a gagné plus bagaille que t'a fait toujours, t'es peut-être t'es plus bagay que l'ité envie fait toujours, mais la vie pas laisser et occasion, la vie pas laisser chance là. Et nous connaît qui ça ça fait l'on perdu un proche, l'on perdu un monde qui cher pour nous. Nous connaît nous ouais réalité, nous ouais et famille Milouz, Boss Milouz, proche inconsolable. Et dans le moment de ça, dans le moment tête chargée ça, n'a continué voyer et sympathie nous, n'a continué voyer en pile énergie positive, en pile lumière pour toutes proches, toutes amis, toutes familles qui affectées et avec des ports soudains, femme voyant, femme jom ça qui te bail toutes les mêmes pour canal KPK, pour canal dignité nan Wanamet. Et entre-temps, pendant bataille KPK, pap campé, bataille révolution en tout, li pap campé. Nous gagnons ancien sénateur Guy Philippe qui pote message révolution, qui connaît l'ambi révolution. Guy Philippe li pa caché position le fois ça. Li pa fait bataille pour la guerre pouvoir non mais communauté internationale qui pour venir accaparer au mouvement peuple la fait bataille pour prendre pouvoir pour changer condition la vie peuple haïtien. C'est déclaration ancien sénateur Guy Philippe qui surprend en pile monde parce que fois ça yo Guy Philippe vraiment li clair cou clairose dans position et pas gè camper dans bataille contre système nan son chambardement total lié. Fok haïtien ka viv nan peyi yo, fok haïtien ka viv nan dignité nan prop peyi l. Matin bonheur 8 tapan, Conseil présidentiel transition te gen tan rive nan palais national. Désormais, il n'est plus question de villa d'accueil, encore villa d'accueil. Non. Leslie Voltaire comme président li estime fok bagay yo change. Si Edgar Leblanc pat ka assume responsabilité comme président pour siéger à conseil présidentiel dans le palais national, eh bien li même li vin met l'ordre dans des ordres et décide faire bagay yo. On l'autre gens ak équipe fomi la valastan. Et déjà là, Jean nou ap constate l nan image sa yo la, eh bien c'est Conseil présidentiel transition qui yo même yo débarqué dans villa d'accueil et gagné gros annonce que Leslie Voltaire li fait. Nous pral gagner pour partager tout détail si la yo et avec vous. Nous gagné également premier ministre Gary Koni pendant passage dans pays Kenya. Gary Koni li changer titre, Gary Koni changer statut et m'dan de Gary Koni c'est expert en sécurité lié. Ou te konn nouvelle ça? Ou te gen nouvelle ça? On quoi Gary Koni c'est dans question éducation, question et ti moun Gary Koni t'a évolué. Dans les Gary Koni c'est expert en sécurité, Gary Koni c'est commandant des forces armées. Bayo compliqué oui dans pays Kenya dans Gary Koni. Pendant passage premier ministre dans pays Kenya, t'es gagné yon conférence de presse conjoint qui t'es bail entre Gary Koni avec
avec William Ruto, président Kenya, tu as gagné discussion et tu es sous table discussion, tu as gagné grosse cérémonie qui t'est faite, Gary Conil était à visiter. Est-ce que tu 600 policiers kenyans, il y a préformation et pour yo ka atterrir dans pays d'Haïti d'ici mois novembre prochain. Cap gagner pour venir là. Nous avons autant de formations, nous pouvons partager avec vous. Déjà, m'a invité ou pas hésiter, abonner, partager, like, puisque là, ou avez bonne information. Et n'appelez donc comprendre plus bien ensemble de décisions politiques capra et qui concernent pays nous Haïti. N'a commencé émission avec une vidéo extrêmement intéressant, OK? Nous pral fon coup de pied dans pays Mali. L'un de ses chefs, bon gens pour chef comportel, bon gens pour chef agi. Li pa secret pour personne, depuis nous parler de capitaine Ibrahim Traoré, sous chaque saint si on t'a posé question, qui ça yo pensé de capitaine Ibrahim Traoré? M'ai impression 160 Abdou yo t'a remé gros président tant Ibrahim Traoré, yo t'a remé gros chef d'état. Tant que Ibrahim Traoré qui prend décision pour pays, qui pas peur camper garder étranger à nan, je dis exactement qui ça le pense, puisque c'est pays l'a défend. Nous prenons un coup de pied dans pays Mali. Côté pays Mali, le jour nous gen dirigeant mon colonne vertébrale, mon caractère pas bon ici. Yo pral comprendre l'importance l'a fait pays pour yo faire pays bien. Depuis c'est intérêt pays ou ap défend, nous pas gen pour baisser tête gat personne. Depuis c'est intérêt pays ou ap défend ou doit gat tout homologue ou nanje. Depuis c'est intérêt pays ou ap défend, li te met c'est a job pour si on pack. Depuis c'est intérêt pays ou et bien faut qu'ou pa ou pour prendre bonne décision. On va regarder ensemble avec moi et une vidéo extrêmement intéressant qui pral di nous plus comment tout vrai chef, comment tout vrai dirigeant, comment tout vrai leader cap dirigeant pays ta doit comporter quand il s'agit des intérêts supérieurs de la nation. On va regarder ensemble avec moi vidéo aussi là. Mais vous travaillez avec la Russie, vous travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, pour répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui. Pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens, vous dites que vous ne donnez pas d'armes d'État. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. C'est pas des prêts, c'est pas des dons. On achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Non, nous, on n'est pas dans ça. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tombouctou, à Gao, à Kidal, hein, et à, dans la région de Mopti. Personne ne leur venait au secours. Est-ce que vous êtes interrogé comment ces gens mouraient? Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Voilà. Nous sommes tendés. Bon, moi tourner pour nous parce que li ap extrêmement important pour nous attendre dans bon timamite. Parce que pour intérêt pays ou doué capable pour prendre décision n'importe qui genre décision en vini. Depuis ces décisions cap bon pour pays ou va comprendre. États-Unis, le nous mandé États-Unis acheter zam. Le nous mandé États-Unis acheter des séries de matériel, surtout si c'est pour la médaille d'Haïti, yo di yo pa vann zam létal. Depuis ce bagaille qui ka tué moun etc., zam pou touye. La police aklame k ap mande acheter, yo di yo pa vann zam létal. Sou besoin gilet pa bal y ap ba ou, sou besoin kas y ap ba ou, sou besoin gilet fluorescent pour circulation y ap ba ou. Sou besoin bot y ap vann ou, sou besoin gan y ap vann ou, sou besoin gaz lacrymogène y ap vann ou, sou besoin et qui ça encore. Et casse pour yon mette, équipement de protection individuelle, et puis y a vann nou. Mais sou besoin zam, ou besoin manche long, ou besoin manche kout, ou besoin munition, yon abdou yon pa vann zam létal.
Mais le pou zam ak bal soti la kayo vin alimenter gang yo, pa gen bagay comme ça qui dit. Parce que c'est comme il a fait, c'est l'argent il a brassé. Même pays Mali t'a fait face avec même situation. Là yo mande européen yo acheté, yo di yo pa vann zam létal. Mali retire kol an bas la France. Burkina Faso retire kol an bas la France. Journée jodi capitaine Ibrahim Traoré li campé dans tête pays, l'a défend intérêt pays, l'a mettre l'ordre dans des ordres, l'a remettre campé institution républicaine yo. Yo décidé kounia que le Burkina Faso, que le Mali et des séries de l'autre pays, yo décidé yo praler vers la Russie, yo pral tourner vers la Russie, vers la Chine pour yo acheter. C'est pas mandé allemand de faire cadeau, c'est pas faveur allemand pour yo acheter. Poutine lui-même qui gon lo, qui gon théorie, qui gon logique depuis c'est acheter ou pas acheter, m'a vend nous de pour gain l'argent. Eh bien, yon mande acheter ça yon wè kap bon pou la me yon, ça yon wè kap bon pou la police yon, la Russie van yon, la Chine van yon. Donc, jounen jodi yon, comme on pral di, on paye tan kou Haïti ki bezwen bon jè équipement, ki bezwen bon jè matériel pou combattre insécurité, pou combattre nèg ak zam, pou combattre bandi, et puis pou di l ou pa vann ni zam, et ou refuse pou le faire affaire avec l'autre pays ki ka vann ni, ki ka edel mette sécurité la kay li, nan acheter bon jè équipement, bon jè moyen, pour yon mette à la disposition de la meilleure de la police. Eh bien, c'est comme ça, dirigeant malien lui-même, il a pral répondre. Dirigeant européen, yo, dirigeant la France, yo, dirigeant l'Allemagne. C'est comme ça, il a pral répondre. Yo. Parce que lui estime qu'il est PayPal pour le faire. Il est sécurité nationale, la CAI pour le gérer. S'il faut négocier avec le diable, chef là, il a fait le carême. On nous retourne, attendez, regardez ensemble. Mais vous travaillez avec la Russie, vous travaillez pas avec moi, etc. Vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui. Pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Nous, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens, vous dites que vous ne donnez pas d'armes d'État. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. C'est pas des prêts, c'est pas des dons. On achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains. On dit qu'on achète. Ils disent qu'ils vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Avec des roches. Et subitement, en Ukraine, vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Non, nous, on n'est pas dans ça. Si c'est la Russie qui peut m'aider sur le plan militaire, je ferai. Si demain, c'est les Américains qui font mon affaire sur le plan économique, je ferai. Exactement. Mais souvent, on peut juste vous demander où est-ce que vous étiez quand les Maliens mouraient par centaines de milliers à Tombouctou, à Gao, à Kidal, hein, et à, dans la région de Mopti. Personne ne leur venait au secours. Est-ce que vous êtes interrogé comment ces gens mouraient? Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Voilà. Voilà, l'un a fait politique, l'un a défend pays, l'un c'est chef d'État, ou doit toujours assurer ou pour prendre bonne décision ou dans intérêt pays. Ce n'est pas pour faire l'autre pays plaisir, ce n'est pas pour satisfaire l'intérêt de l'autre pays, mais c'est pour satisfaire, pour protéger l'intérêt pays ou pour protéger la population. Mais nous sommes gagnés plus qu'en centaines de compatriotes qui tombent en bas balle dans la ponçonde. Côté États-Unis, côté la France, côté Canada, pendant tout ça, là yo t'ap cherché démobiliser l'armée nous remettait Jovenel Moïse remettait quand on l'armée, yo relé l'armée pour banane, yo pas payé d'elle, yo pas fait dis, yo pas fait date. Pendant yo pas contrôlé zam k'ap sorti la caillou envahi Haïti, mais yo dou yo pas vend nous zam létal, yo pas fait dis, yo pas fait date. Eh bien, pendant y a dit n'ap combattre sécurité, qui ça va le combattre? Y a croche. Ak bouteille, ak bâton, à qui ça nous pral combattre li? Pendant que zam qui nan men bandi yo, c'est zam qui sorti la caille États-Unis, et puis même États-Unis, ça l'abdou, et li pa vann nou zam. Ça, c'est hypocrisie purement et simplement liye. Nous pas regarder qu'on y a les Émirats Arabes Unis, et blende l'alde. Blende l'alde, parce que tout bagay te get prédisposé, et moun pou te aller dans pays Émirats Arabes Unis pou te aller rencontrer, tout bagay te get préparé, tout bagay te get fait Washington. Tout bagay te get fait Washington. Donc, jounen jodi, fòk dirijan nou yo ka soti nan hypocrisie avec soi-disant partenaire, soi-disant zanmi yo. Yo pa zanmi vle, zanmi. Zanmi vle wè bien pou ou.
OK, lorsqu'on a mis le web bien pour, il t'a remis web bien pour, il t'a remis la stabilité là, car même ça n'a pas zami. Son question intérêt qu'a géré, comment l'État haïtien qu'a géré et préservé intérêt pâle, comment l'État haïtien qu'a protégé la population pâle, c'est ça qui doit être priorité gouvernement, c'est ça qui doit être priorité dirigeant nous. Mais malheureusement, nous aurons une colonne vertébrale, nous aurons un caractère qui vivait dans la tête de l'État. Nous gagnons et arabe blanc matin là qui dédoublé et nous pral gagner pour nous venir dans dossier arabe blanc, mais bien avant on nous font tourner dans palais national. Voilà, nous gagnons là conseil présidentiel transition hein, et yo atterri matin de très tôt dans palais national côté que yo allé faire yon séance de travail. Séance de travail ça qui réalisé et jodi an c'est dans souci pour montrer place conseil présidentiel transition à côté ou ta doué siéger a li pa ta doué l'autre côté que palais national. C'est la place président yoye. Donc nous ka constaté et te gen fanfare yo monté drapeau à 8h boule au son du fanfare et conseil président qui était là yo. Et conseiller président qui était là yo voilà nous gagne Fritz Alphonse Jean, nous gagne Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Régine Abraham, président Voltaire, nous gagne docteur Frinel Joseph et puis nous gagne et l'homme Benz également Smith Augustin et Edgar Leblanc li pas présent et nous gagne encore Laurent Saint-Cyr, mouche sal pa jam chita. C'est une conseiller président coûté pays en plus cob dans question perdiem dans question voyage. Chaque mois, si monsieur ça assisté à deux séances de CPTA, il pas assisté à plus. Il toujours à l'extérieur, il toujours dehors à voyager. Parce que nous avons besoin de fourrer le secteur privé dans les affaires. Nous, eh bien, nous jouons avec Zogrand, nous, parce que le secteur privé, ça, eh bien, m'oblige toujours en déplacement, toujours en voyage. Et non, c'est ça, nous gagnons l'esprit Voltaire qui dit même. Il fait un tweet. Et dans le tweet, l'esprit Voltaire fait, après le bail. Quelques petits détails sous visite conseil présidentiel dans le palais national. Jodi a nous t'ai participé à capil fierté dans monter drapeau dans palais national là. Jessi là qui chargé à respect symboliser valeur patriotique nous yo. Imitez nous qui pas doué jambes brisées. Et puis, si tout volonté nous s'arrêter pour nous rétablir sécurité, depuis dans quel capital arrivé dans chaque coin dans pays. L'important pour nous établir pratique ça dans l'école nous yo, pour ti moun yo ka commencer remen pays yo depuis sous dans l'école là. Donc c'est ça, l'esprit Voltaire lui-même li publié sous compte officiel li. Et nous gagnons l'autre détail qui baille dans même cadre cérémonie ça. Et puisque gagne Gazette Haïti qui lui-même li posté li faire connaître que conseil présidentiel transition yo a renoué avec vieille tradition républicaine yo côté organisé jeudi lundi 14 octobre là cérémonie drapeau n'a pas les national avec fanfare et à l'exception de Edgar Leblanc qui pat là avec Laurent Saint-Cyr qui lui-même li en voyage. Parallèlement, président Voltaire li décidé que le conseil présidentiel là bien pour siéger au moins deux fois par semaine dans le palais national. Donc c'est pas seulement villa d'accueil. Yo pral changer base, OK? Yo pral changer base parce que l'esprit Voltaire li fait qu'on est place CPA, place conseil présidentiel là, eh bien c'est dans le palais national lié et si yo gen attribution présidentielle, eh bien c'est dans palais national yo doit al installer bureau yo. Donc est-ce que y a kakenbe véritablement, est-ce que tout zambral rete bébé pour permettre à ce que conseiller président siège normalement dans palais an? Et son dossier n'a suivre de très près pour nous voir qui ça va joindre comme entente, soit on met sécurité dans bord ou bien on entend un bandit pour yo al faire affaire dans palais. Est-ce que nous comprenons? Nous gagne arabe là qui réagit bonheur matin. Nous prenons regarder attendre ensemble avec qui sa message arabe blanc pour Abinader conseil présidentiel transition et également pour gros coquin chaîne mobilisation qui programmé pour 17 octobre prochain cap gagner pour venir là. On va regarder attendre ensemble et Myrtille Marcelin
dit arabe. Abinadel, chita sous Montadel. Abinadel, chita sous Matadel. Abinadel, chita sous Montadel. Abinadel, chita sous Montadel. Abinadel, chita sous Montadel. Abinadel, chita sous Montadel. Abinadel, chita sous Salam. Opération, c'est cette octobre opération. Opération, opération, opération. 17 octobre opération. Opération, opération. Mes amis, peuple haïtien, toute couche vive pays, toute force vive pays. N'a demandé avec chaque grain haïtien conséquent nous. Il est nécessaire 17 octobre pour prendre la rue, pour aller bailler pays en deuxième indépendance. Pour aller bailler esprit de saline, nos forces. Parce que l'homme gardé, là, on a un poyol. On peut aller sous bouillie, on peut aller à pied, on peut aller sous bécantou, on peut aller sous cheval. L'homme gardé pour moi, Abinadel, qui a assassiné Frère Maxime, matin, midi et soir. Et par exemple, l'État qui dit non, il faut que ça cesse. Tandis que Abinadel, son immigrant lié même avec Haïtien. Parce que son sion libanais, c'est cousin avec Reginald Boulos. Son programmation qui fait pour assassiner tout Haïtien. Son programmation qui fait par Reginald Boulos, par Dimitri Vob, par Pacha Vob, par Leslie Voltaire, par PM Gariconi. Parce que aujourd'hui, je m'attends de yon dire rien. Pour ça qui a passé. PM Gariconi, Arabe te prêt pour te porter solidarité avec vous. Mais là, m'gade, m'ba quoi, m'ba M. Samloman Ken, non, monsieur, c'est photo là, marché fait tout côté. Est-ce que nous, M. Samloman Ken? Hein? Monsieur, pas Samloman Ken, mais c'est photo là, marché fait, campé sous Fali, fait photo, et puis, moi, mon dernier vers, monsieur, mettez, m'ba contre, si mon niveau de manger, tout toile sous lui. Je dis, m'ba comprendre, ça va passer comme ça. Gariconi, ou pas, elle joue à ton même. Parce que l'on a consolidé, trois volets qui dans CPO, il y a qu'un volet, dans neuf volets, il y a qu'un trois volets, bref à la main, Louis Gérald Gilles, il y a qu'un Emmanuel Vertilet, il y a qu'un Smith Augustin, tandis que PM Gariconi, elle chita avec tout volet sa yo. Gariconi, sous pas dans volet, ou pas qu'elle chita volet. L'on garde pour elle, si Chinois, la fois dernière installation, elle vient en vieille veste sous lit, plein pinaise, elle vient installer. Si Chinois vient en vieille veste, plein pinaise, la fois dernière, elle vient installer. Mais je dis à Mdadé, le président. Président qui ça? Est-ce que Mansa pour elle? Président qui ça lié? À partir du 17 octobre, demain, si mon Dieu est cap 15 ans, c'est bat ténèbres. Demain, 15 octobre, là, c'est bat ténèbres. Depuis midi. Depuis le fait midi, bat ténèbres. Jusqu'à ce que 17 octobre arrive, nous font celle pour tes bouts. Bouée. Opération pour tes bouts. Bouée. Opération pour tes bouts. Bouée. Quel que soit le bureau, l'État, c'est pour peuple allié. Je dis à mon cas pour faire, il cap dominant la rue, c'est elle domine au ministère. Mon Fontamara, mon Solido, mon Coquillot, mon Delma 24, cherche au ministère pour nous loger. Parce que c'est volé, volé. C'est l'argent payé à gaspiller. Chaque grande gang CP a touché 7 millions de gouttes. Chaque grande gang en dans CP a touché 7 millions de gouttes. C'est côté ça a volé. C'est côté ça a volé. Il a touché 7 millions de gouttes. Tandis que Haïtien a lagué aux abois. Barbecue, frère, c'est fort à parler. Maintenant, on demande au peuple à suspendre la boîte à l'IA. Mais pour le peuple à suspendre la boîte à l'IA, il faut en boire. C'est la taille du peuple. Je dis, tout le monde qui l'a gagné, c'est le même. Je dis, c'est bon, dit peut-être au c'est bon, dit que c'est le même. Je dis, si Barbecue a dit suspendre la boîte à l'IA, en tant que frère, pour me donner ton conseil pour en boire. C'est la taille du peuple, 17 octobre. Aidez le peuple à faire bataille, 17 octobre. Aidez le peuple à retirer 9 gangs, 9 assassins. Ou te faire G9, tu crases le même. Je dis à l'autre G9 qui créé par CP. Au lieu de dire G9, et Barbecue, on a dit G9 créé présidentiel. Le classe G9 Barbecue, le fait G9 créé présidentiel. G9 pour G9. Je dis à si Barbecue, libération et réconcilier avec le peuple, Barbecue, on a une bagaille pour le faire, il a gagné pour embrasser la bataille peuple, peuple Badelma, fait on prend la rue. Tout n'est que vite l'homme, tout le monde fait mon nom pour la rue. Population qui vivent à côté de nous, faire prendre la rue. Parce que bataille qui est là, si nous disons, nous après jeune peuple, pour peuple pardonner nous, la bagaille bois calé pour peuple camper, ben nous même tout faut nous connaître que bataille peuple est nécessaire pour aider peuple à retirer le pays à la salle là. Et nous examen nous, c'est nous te mettre à Ariel dehors. Pour qui ça nous te mettre ça, nous figuons. C'est nous te bataille, nous mettre à Ariel dehors.
Je dis à moi, c'est même nous-mêmes encore. Je crase Genève, je fais l'autre Genève encore. Je dis à, si nous voulons faire bataille, nous voulons le peuple abandonner nous. Nous avons besoin de peuple là. La police connaît ces peuples là. Ils ne peuvent pas terroriser. Laissez-la ouais, tout le monde arrive. Parce que la police, c'est une grande bagaille. C'est frère nous. On va jamais une petite boulot à la police. On va jamais une petite appel à la police. C'est toujours petite soirée à la police. Mais coup peuple après la rue, la porte et revendication, c'est balle tête. Coup peuple après la rue, c'est gaz. C'est balle tête qui prend. La police n'a pas pour protéger sa vie et protéger sa servie. Parce que si la police, je dis à la, pas qu'on police, pas qu'on monde, c'est domaine. Pas qu'on police, pas qu'on famille, on amis, c'est domaine. Bataille qui va le faire 17 octobre, là. Quel que soit police qui t'a envoyé gaz, qui t'a envoyé balle sous le peuple, prends pour un Dominicain. Pas poser aucune question. On y dit, mais on Dominicain, on est bien. Ça veut dire ça. On pas besoin de connaître. Quel que soit policier qui t'a envoyé gaz, qui t'a envoyé balle, 17 octobre, prends la trappe, dis, mais on est bien Dominicain. On pas connaître nous pour un Dominicain. Nous prenons Abinader. Vous comprenez? Parce que je dis, la bataille, c'est qu'à fait là. Policiers, victimes, tout, parce que quand les policiers, pas qu'à quitter madame ni là. Qui pas qu'à quitter petit petit là. C'est les gens qui résident, qui sont familles là. Mais son policier, 17 octobre, pendant après, dit que pour faire action, il a mouru, il choisit bon balle, il choisit voyer gaz, on y t'attrape, que maintenant, il a dit, nous prenons Abinader. Parce que je dis, la bataille, c'est qu'à fait là. Faut que les policiers à la donne, faut que la mère à la donne, faut que les sapes à la donne, et faut que toute force vive payer à la donne. Son bataille pour nous tous inés nous. Vous nous dites, faut que nous payions une autre indépendance, une autre liberté, 17 octobre. Je dis à vous-même qui dans la diaspora, la photo épée. Son bataille bois calé. 17 octobre, opération bois. Depuis nous, jeunes Dominicains, c'est balle bois. Depuis nous, jeunes Consila, c'est passé à l'infinitif. Parce que si y a tout, nous ne pouvons pas ambassadeur là. Moi, je suis un consulat dominicain dans le pays. Je dis à moi, tout complot qu'a fait, c'est attaquer Dominique Dupuis. Dominique Dupuis va faire une pote. Si bon moun nan gouvernement nous ba Valère et Dominique Dupuis. Ba j'aime parler avec une fois que mon Dieu t'en dit. Ba j'aime parler avec une fois. Mais si moi on grain haïtienne qui bon honnêteté qui bataille pour pays qui veut lever honneur pays à lier les Dominique Dupuis. Moi pour qui ça? Pour ni am garder Voltaire qui m'a dit faut que madame Dominique Dupuis aller avec tout créé présidentiel là qui m'a dit oui faut que madame Dominique aller, madame Dominique a fait dominicain et entrer dans vie personnalité dominicaine. Son monde qui est honnête, son monde qui fait non. C'est normal si vous occupez un poste dans le pays pour le faire valer. Je dis à tout le monde qui parle de Dominique Dupuis, c'est assassin, c'est gang. Gary Koni, m'a dit encore. A fait bagaille, moi, comme si il y a diabou, il y a besoin de manger, il y a un gros vieux veste tout trois loups. Mais qui est besoin de manger, quand il y a un souffle, il fait photo, il y a un balade. Bagaille, il y a trois voleurs qui viennent dans le CP, chaque jour, je suis avec eux. Trois assassins, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Ventile, Smith Augustin, trois gangs. Trois gangs qui sont dans ce pays. Chaque jour, Gary Koni, je suis avec eux. Par contre, c'est Massima dit la fête. Mais chaque jour, je suis avec eux. Je veux dire, si PM, Gary Koni, qui vient de faire un bagaille, il ne peut pas tolérer voler, gang, assassin, criminel. Bataille qui déclenche là, à partir du 17 octobre, c'est 4 dans 7 toute boîte l'État. Et on a demandé tout le monde qui est dans la rue, qui est en battant. Depuis ce bureau l'État, nous jouons pour te bouer là-dedans, le 17 octobre. Et voilà, nous sommes tendés à Rablan qui dit même l'état bail tout détail. Pas gué bien caché l'ombrit. Si nous faisons révolution, si nous faisons bataille contre le système, non, nous faisons une fois. Et d'ailleurs, nous connaissons déjà moun sa yo qui prend pays en otage, nous identifions, nous connaissons, nous connaissons qui est ce, nous connaissons côté yo. Ye. Donc, si nous faisons bataille pour pays, nous faisons une fois. Pas gué moi de la gué. Et d'ailleurs, fois ça, et Jean-Guy Philippe parle, il parle clair, Guy Philippe prend position clair, eh bien, c'est plus moun nan population qui commence à jouer plus confiance, qui commence à sentir rassuré par rapport avec 17 octobre. Nous prenons le temps ensemble avec moi, et Guy Philippe, qui lui-même, li tape parle, il tape bay des détails, sous objectif li, avec mobilisation qui lancée pour 17 octobre là et gen bagay qui extrêmement dit qui méritait pour nous retourner sous. On va attendre ensemble avec moi ancien sénateur. Mais salut nous. M'a besoin commencer dit nous qui calamité pays à vivre. Tout le monde wel. Ingérence américaine, ambassade américaine qui toujours fouille bouche dans bagay Haïti. Intransigeance, insolence, imposer à pays en solution entre guillemets qui peut amener de l'autre côté
que dans tout Kenya aujourd'hui là. Nous avons un pays qui a 9 présidents. Chaque président a touché 7 millions de goudes chaque mois. Sans compter la quête. Yo kembe 3 dans volo. Tout le monde accepte que yo dans volo. Yo là toujours c'est yo qui signe dans la République. C'est yo qui prend décision pour le pays. Nous avons un premier ministre. 2 semaines avant le premier ministre, il était un mandat pour corruption parce que il était cité dans le volet COB qui était là pour reconstruire Haïti. C'est IRH. C'est IRH. Ensemble avec ancien premier ministre Belrive. Ensemble avec gros monsieur américain ou gros famille américain que nous connaissons tout le temps mettre pied pour tout visible. L'école se rentre là. Combien de personnes qui sont à l'école vraiment? Combien de livres à l'école? Combien de manger les à l'école? Dans le dernier rapport que je te montre là, on dit un haïtien sur deux dans la misère chronique. Ça veut dire un haïtien sur deux pas manger la caille. Qui ça ou un nèg fait depuis tout le temps là pour prendre mesure pour nous bailler peuple nous manger? Comment production nationale nous a relancé? Dans qui ça a investi? Chaque jour, tant de nèg a fait la navette à chercher aide humanitaire. Aide humanitaire pas sauver la pas qu'à sauver aucun pays. Donc nous-mêmes dans le mouvement que nous faisons là, dans frein qui c'est force révolutionnaire internationale. Nous demandons le 17 octobre pour la population accompagner. Aidez-nous. Prenez la rue. Pour réclamer ça, on suppose réclamer. Pour défendre propre intérêt. Tout peuple a un gouvernement que le mérite. Tout peuple a un pays que le mérite. Si je dis à Haïti, à vivre dans l'état que l'il y a, c'est parce que Haïti, c'est ça que le 17 octobre, c'est un jour pour nous dire non, nous bouquons, nous ne pouvons pas faire ça encore. Nous voulons bonne gouvernance. Nous besoin d'école pour visiter nous. Nous besoin de l'hôpital, de soins de santé, tout partout. Nous besoin de travail pour jeunes garçons et jeunes femmes. Nous besoin de vivre avec dignité. Frère, nous avons humilié au trop Saint-Domingue. États-Unis, Chili, Brésil, tout partout côté haïtien, nous synonyme à déshonneur. Nous synonyme à ça pas bon du tout. Jusqu'à qu'il est haïtien n'a pas accepté ça. 72, plus que 72 frères d'action sont morts pour sonder. Combien dizaines haïtiens a couru derrière la République dominicaine? Yo prend bâton, yo humilié, yo fait bagaille, yo fait bagaille, yo pas doué faire. Au lieu pour gouvernement camper chita sur problème ça yo, tout pile monde ça mourir dans profondeur et dans République dominicaine, ba youn ou 2 jours et deuil national, c'est fêté a fêté, c'est voyager à voyager, soi-disant va chercher contact international. Qui va jamais arriver pour fois sous population qui vivent dans ailleurs pays. Donc 17 octobre là son chance nous gagne pour nous rebattre quatre là. 17 octobre était touillé rêve peuple là. Il était touillé en point noir. Il était écrasé idéal que Jean-Jacques Dessalines le grand te gagne pour nous. 17 octobre 1806. Je dis à 17 octobre 2024. On nous tous ressusciter en prière. On nous dit en prière nous comprenons sacrifice là. Li pas de bataille pour Haïti ça. On lever campé pour une bataille pour l'autre Haïti. Ya. Police nationale d'Haïti, c'est plus gros bourreau qui devant le peuple là, qui fait peuple là arriver avec le mouvement qui veut changer le pays. Moi, je vais demander aux policiers, pour qui ça? Ça va défendre. Pour qui ça va pas le peuple à manifester? Là, c'est pour eux, c'est pour petit yo tout, peuple à bataille. C'est pour tout Haïtien. Nous demandons de suspendre les gaz. Nous demandons de suspendre l'attaquer le peuple là. Quitter le peuple à manifester, quitter le dit ça qui fait le mal. Peuple haïtien, moi, je demande de nous pour nous sortir. Mais cette fois-ci, je dis que je ne suis pas pour venir danser, ni pour venir aller bagarre dans la rue. Je suis sorti pour nous dire si c'est nous fatigué. Et pour nous visiter la caille. Pour nous visiter dans le bureau. C'est ce genre international. Dans tout arrogance, dans fréquent. Parce que je ne peux jamais prendre bon monde. C'est ce genre qui comprend que les Haïtiens décident pour ne pas vivre dans la misère et dans la crasse encore. Donc les Haïtiens sont sortis le 17 octobre. Et je connais les sortis. Parce que si nous sommes petits, nous sommes pays, nous sommes sortis. Tout le monde qui t'a aimé petit joindre l'école pour aller à l'école, il a l'âge, il a sorti. Tout le monde qui t'a aimé joindre travail dans le pays comme jeune garçon, jeune femme. Et malgré le fin d'étudier, retourner sous compte paralysé, il a sorti. Tout le monde qui est vrai haïtien, presse traditionnelle là, suspend qui t'a acheté micro. Pas bail servir nouvelle seulement, à voir une équipe bagaille monter, le tout le monde connaît pas bon. Pensez à pays. Longtemps la presse c'est lui qui t'a guidé nous. Sous du valet en garde, mais si la presse c'est joué au lit. Ça qui passe la presse noire. Ça qui a privé. C'est misère. Ils ont acheté nous toutes fins zombies. Cette fois-ci, moi dis, on oublie tout ça. On fait un élan. On nous dit, oui, nous même pays. Nous même la presse. Nous même qui gagne l'argent. Nous même mulat. Nous même noirs. Nous même quel que soit haïtien. Quel que soit classe sociale. Quel que soit côté lié. Paysan.
on met tête nous ensemble 17 octobre pour nous changer bagaille là. Et pour nous changer, faut que système dans paix, faut que nous faire système dans paix. Faut que nous visiter la caillou. Si nos petites communes Bobado Police, Pestel, Bébéye, n'importe côté, côté de bagage jeune gros, gain la mairie, gain délégation, gain vice délégation, faut que nous visiter. Faut que dans le bureau pour nous dire nous pas faire Haïti ça encore. Et pour voir ça que blanc mettez, il faut que nous mettez le dehors. Nous blancs non mais faut que nous mettez le dehors, il pas capable de l'ordre, il pas capable pays à l'ordre. Regarde dans qui trouve la grand pays. Donc nous venons demander peuple haïtien 17 octobre en campé, en marché, en craser système non. Moi pas dit pour nous venir faire un mouvement et puis quitter le pour blanc venir pour venir mettre et même chou li non. Nous demander une révolution pour nous système pour nous craser et pour nous mettre gouvernement que nous voulons comme peuple. Pas de aucune base légale qui fait que les États-Unis d'Amérique à CARICOM imposent 9 volets comme président et un autre comme premier ministre. On moun dit qui bon qui balier. Qui cadre légal? Qui côté constitution dit ça? Malheureusement pour nous, pas de aucune formule constitutionnelle jodi a là pour nous sortir de la crise là. Et là on peut arriver dans tout comme ça, c'est peuple là pour prendre responsabilité. Yo bon volé. Nous kembé on en volé. Yo dit on pas aller yo là, y a signé pour nous. N'a continuer à accepter ou bien 17 octobre nous tout a campé. N'a dit en pour Jean-Jacques Dessalines nous comprendre sacrifice qu'il fait. N'a dit tous ces 7 nous ont mouri parce que sur 450 000 haïtiens qui t'ai gagné. Plus que moitié mouri pour mon indépendance de 1791 à 1803. 250 000 haïtiens sacrifié vie pour Haïti. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sacrifient? Est-ce que n'a crasé héritage ça? Pas peur. Depuis nous prenons la rue en nombre, en quantité, il n'y a pas faire rien. Tout ces bluffs. La police a fait des ordres, a tiré gaz sur nous parce qu'il n'y a pas un pile dans la rue. Mais si nous tous qui souffrent, si nous tous qui d'accord que le pays n'a pas comme ça, si nous prenons responsabilité pour nous prendre la rue, il n'y a pas faire rien. Zamio a bébé. C'est parce que y'a une lâche. C'est parce que y'a une peur qui fait avancer sous nous. Donc 17 octobre, gardez petit nous. Les nous levons le matin. Gardez madame nous, qui est obligée à prostituer tête pour manger. Gade petit nous bon côté nous pas capable manger. Nous pas capable voyer l'école. Gade madame nous même foi dans vie nous pas capable dire chérie, mon belle robe mon cadeau, on a relaxe dans l'arrière. On a danser. C'est la misère. C'est plein. C'est tout ça que pas bon seulement qui a tombé sous. 17 octobre là nous gain chance pour nous changer ça. Moi viens demander aide nous changer ça. Peuple haïtien, peut-être nous. Pour monsieur qui dans vivre ensemble. Moi t'ai donné plusieurs fois. Nous disait victime, c'est victime nous est vrai. De monsieur, c'est ramé nous. C'est ambassadeur ramé nous. C'est bourgeoisie pourrie qui a amené nous. C'est classe politique qui a amené nous. Mes âmes nous ont déjà dit une fois. L'illégalité pour nous virer sous le monde qui était bon nous. Je dis à nous son appel pour nous. Le pays a besoin. Malgré tout passif nous avons bien. Malgré tout mal nous avons fait. Il n'y a pas jamais trop tard pour bien faire. Et le pays a besoin là. Zam qui nous maintenant, suspend une panique peuple là. Quitte le peuple avant qu'il y ait occupation. Quitte le monde dans le grand monde dans Port-au-Prince. Quitte le monde dans le plateau central dans Port-au-Prince pour faire travail. Zami yote bon nan, vire pepli sou yo. Et encourage peuple là. Aide peuple là pour le sortir 17 octobre tout. Le sa na ouè vrai, qu'on cherche rédemption. Le sa na ouè vrai, qu'on veut changement. Que son victime ou te vrai. Donc Zam dans bouche Zam ça. Ennemi te bon nan, ennemi pays te bon nan. Délinquant te bon nan, vire sou yo. Pour Haïti, pour le pays, nous tous haïtiens, 17 octobre. En pile béton. Pas pour nous danser, mais pour nous visiter. Nous voulons dans le bureau. Nous voulons la caille. Faut que nous prenions la caille. Faut que nous prenions le bureau. Et pour nous dire, nous bouquons. Et pour nous dire, quittez le pays. Bah, haïtien sérieux, je salue nous. La bataille pour nous prendre le pouvoir, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes dans la révolution. Sénateur. Et pour nous, bah, Haïti. Haïti, haïtien, Haïti qui a besoin. Sénateur, retournez pour moi, s'il vous plaît. Retournez-moi. Mon salut est important pour moi. Mon sens. Qui est-ce que vous voulez? Moi, je dis que vous voulez retenir encore Haïti dans la bataille. Révolution, ça. Nous ne pouvons pas batailler pour nous quitter le pouvoir pour aucun monde. Nous avons bataille pour nous prendre le pouvoir. Pas seulement pour nous gagner le pouvoir, non. Pour nous transformer Haïti pour petit nous. Pour aujourd'hui, nous avons Haïti qui a vécu avec fierté. Avec dignité. Nous avons pris le semaine ça. Aucun monde n'a pas pensé à venir au libre. Et la bataille là-bas, j'aime fini. Tout ça, c'est pas nous qui sommes au pouvoir. Révolution, que nous disons là, c'est nous qui sommes au pouvoir. C'est pas Blanc qui a dit oui, nous avons conseillé 9 membres, 9 volets. Nous avons premier ministre, tous ces volets. Blanc impose un bagage, je dis à quelqu'un de 3 nègres dans le volet. Blanc dit qu'il n'y a pas besoin de changer, juste pas quitter au propre président. Bon, tous ces présidents, oui. Ils ont tout à signé dans nos pays. Cassez-le. Mais malheureusement, lui n'a pas cassé. Heureusement, ou là, il y a Moïse, pas l'autre Moïse, mais Moïse de la Bible.
Nous croyons. Et nous demandons pour continuer à kembe chandelle ça, continuer à kembe flambeau ça parce que nous-mêmes, c'est sous où et sous chandelle qui l'a plus allumé pas nous. Et nous connaissons pour la liberté tout l'humain. Nous continuons à voyer signal ça. S'il vous plaît, continuez combat avec nous parce que nous, d'ailleurs, nous connaissons probablement dans les années à venir pour aller gagner élection qu'a fait. Et c'est pour ça que nous demandons de continuer à voir bon signal. Parce que le pays n'est pas capable encore. Non seulement nous comptons sur vous, nous comptons sur force, nous sommes prêts pour nous gommer. Et nous sommes gommés. Nous ne pouvons pas prolonger. Comme c'est vous-même qui nous recevoir. Encore une fois, demandez-nous à applaudir le sénateur avec staff. Merci. Merci beaucoup, sénateur. Merci beaucoup. Merci, directeur. Merci tout le monde. Bon, et Baron Philippe pour ça, et ici là, c'est là, nous commençons vraiment oui, avec papa et l'homme des candidats pour sénateur. Et Philippe t'est présenté là, et c'est là, nous commençons vraiment, nous faisons tout là, et nous vivons et la population suivre. Je veux dire, je suis content que je ne suis pas arrivé là avant, non? Mais c'est que et depuis mon entrée, et bagaille viré rapide. Et nous, elle tellement rapide, et je vais m'y dire, nous perdons un gros ami. Ici, petit frère Philippe, grand frère Philippe qui m'ont vu, et Jean Mourin dernièrement dans un mouvement qu'il a fait pour libérer le pays en bas et délinquants qui l'écraser. Je dis encore, malgré tout ça, fait, malgré que Ariel Henry, le pays a toujours le même problème. Parce que le système-là, nous avons un édition qui peut avoir que les Haïtiens vivent bien. J'ai bon d'avis. Mais en même temps, nous avons des âmes qui vivent puissants. Le peuple haïtien qui montre vrai qu'il veut changer. Mouvement qui enclenché depuis décembre, janvier et année ça a montré que le peuple a fait changement. Le peuple a compris que les conditions sont bonnes et il dit qu'il veut que ça change. Mais nous avons des ennemis encore une fois qui n'ont pas appris ça. Tant pour l'ambassade américaine, tant pour l'oligarchie haïtienne, mon pauvre prince, il y a tout l'argent, il y a tout le bagage. Classe politique. Ils font gens pour concentrer tout le pouvoir dans Port-au-Prince et là, il y a tout le monde pour compte. Je dis à combien de monde qui a souffert parce que. Il va pas sauter là dans la danse pour y aller au prince. Et c'est même genre pour mon sud-est, pour mon nid, pour mon sud, pour mon nord, pour mon plateau central. Aucun monde va pas déplacer, tu vas sortir là pour aller au prince, tu vas sortir là d'un point A au point B sans qu'on va mettre la vie en danger. Bah elle arrête. Dernier bagage qui se fait, dernière nouvelle qui tombe, c'est que on a ici sous deux à mourir grand goût. Ce n'est pas normal pour qu'on y ait un plus gros problème. On peut dans le 21e siècle, c'est qu'ils sont pas à manger leur levée. Question grand goût. Mais on dit, mais c'est grave. Le nous lever comme haïtien, mais on dit ça va manger. En pile, 50%. Plus même. Que le peuple nous a lui-même, on y a ses 20 litres commandés. Même si les gars ont envie, font bagaille, ils ont envie, sortir pour le défendre, mais ils ont un grand goût. Les bons patrons disent, mais d'abord, 20 dollars, faut pas sortir. Et parce que, ok, mais ils ont 20, en pile là-dedans, on ne peut pas réclamer, ça on suppose réclamer. Bataille nous enclenche à son bataille qui est difficile. Mais quand même, tout son belle bataille. Et son bataille que nous avons gagné. Et son bataille nous doit gagner pour Haïti. Je dis à ma marché, ma vie de tous côtés pour me dire, jeunes, population, on fait un effort. On manifeste, on fait sacrifice. Bah, yo, red, moi-même, il y a un pile sacrifice. Philippe Père Dufrel, Monsieur Père Dufrel, moi-même tout, 7 février. Il a dit 7 hommes. 7 hommes qui m'ont parlé au téléphone, 1 minute après, autour de 7 monde. Parce que tu as venu chercher pour une manifestation. Dans votre presse. Donc, le système n'a pas appelé, quitter le privilège. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il faut une force. Non seulement un sacrifice employeur. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Nous choisissons 17 octobre. Pour nous relancer un mouvement raide. Cette fois-ci, pas pour nous aller danser dans la rue. Cette fois-ci, pas pour nous avec des petits feuilles. Cette fois-ci, c'est pour aller visiter les gens qui représentent le système. Magistrats, délégués, vice-délégués, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la gens. Il faut que nous fassions comprendre que nous ne sommes pas sous-jouer. Le système n'est pas celui qui a fait une peur. Nous-mêmes, demandez-nous pour nous faire une peur. Nous plus. Il n'y a pas qu'à tuer nous tous. Moi, on ne peut pas nous faire une peur. Volonté, conviction, nous avons pris la crasse tout le monde. Combien de fois vous pensez que, par les côtés de l'armée qui est enragée, il va tirer les gens. Toute révolution que vous faites dans les dernières années, c'est Timoun 2000 qui fait.
Ça veut dire qu'il y a qui fait un de nous, à Jodia là. Toute révolution, regardez combien de révolutions faites, qu'on y a pour un côté, ils ont rentré quand les premiers ministres, ils ont payé et ils ont mis le ministre en dehors. Il y a exemple Sri Lanka. Plusieurs révolutions, et pas seulement Blanc, plusieurs révolutions. Et c'est tout le monde qui fait, sans âme, mais avec volonté. On volait en fait. La police a gagné gaz lacrymogène, il a tiré en quantité de gaz. Et l'elle finit. L'elle finit, nous n'avons pas avancé sous lit. Faut que le policier a connu, s'il trahit le peuple, il doit trahir tout. Le peuple doit marcher sous lit. Parce que l'uniforme n'y a pas d'immunité pour faire ça, le fait. La grande soupe a dit 7 personnes. 7 personnes qui étaient coin dans le pays. Que la police touille. Ce n'est pas gang qui touille. C'est la police. Je dis à seul monde, seule force qui campait en face du peuple haïtien, qui fait pas besoin de bonheur que nous voulons, dire les polices nationales. Parce que c'est tout l'ambassade américaine. C'est tout n'importe quoi. C'est petit, les policiers. C'est un dingue sorti. Nous t'en aimé, ouais. Ils ont même toujours le même problème avec nous. Ils n'ont pas qu'à voir petit à l'école. Ils n'ont pas qu'à payer caillou. Mais pour une raison, pour l'autre, ils ont quitté le système dans le domaine. Parce que maintenant, si ils n'ont pas fait mauvais travail, là, sale travail, là, ils n'ont pas le révoquer. Ils n'ont pas qu'à révoquer. Nous demandons aux policiers pour prendre conscience. Pour comprendre que le peuple n'a pas ennemi. Nous pas ennemi. C'est mon nous, c'est petit nous. Mais bonne chance nous pour nous manifester, pour nous changer la situation du pays. C'est ça nous. Nous tous des amis dans la police. Moi des amis dans la police. En pile amis, c'est policier. Et me décommande dans la police. Moi dis policier, on suspend tirer sur le peuple. Suspend faire peuple abus. Nous sommes 7 innocents. Voilà. Nous sommes tendés, ancien sénateur Guy Philippe là, qui lui-même lui t'a parlé avec le pays. Sénateur a li sonné, li connaît, li secoué, li fait appel, li lance appel à la mobilisation. C'est l'ambi rassemblement, c'est l'ambi révolution, c'est li la connaît, la prélé, la prélé, la prélé. Haïtien côté nous, haïtien en avant, haïtien en aller, nous pas capable encore. Donc 17 octobre c'est dans 3 jours. Dans 3 jours, en pile mobilisation a fait, en pile appel lancé pour population répondre positivement. Jean situation a dégradé là, Jean bagaille la fin dégradé dans men nous là, faut gon bagaille qui fait pour pays. Nous gon conseil présidentiel qui installé depuis l'Esprit Voltaire, li prend Macron dans la 7 octobre passé a, c'est suspicion, ces doutes, ces accusations qui gagnent sous dol, comme moun qui n'a concordé avec Abinadel, pays voisin, nous, République Dominicaine. Donc, qui disposition, Conseil présidentiel transition, ça prend le prêt pour montrer l'intérêt pays. Yo sorti en note publique, yo constate même j'ai avec nous déportation massive là, yo pas prend position, yo pas dit qui ça yo prend le prêt et comme disposition, en rien. Pas aucun président qui réagit, pas l'État pas réagi, car il connaît dit pour avoir une réponse diplomatique gros pour nous pas ouais qui ça dit qui ça fait rien. Nous besoin monde qui ca défendre pays nous, nous besoin monde et à la manière de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta dans pays Mali qui campait pour pays yo. Qui campait qui ca négocier pour pays yo, qui ca négocier qui ca fait intérêt supérieur nation yo pays par passer avant toute bagaille. Mais papa qu'est nexé Paul et casser ça yo, c'est pas parce que c'est pas qu'est nexa yo qu'a fait job qu'a fait tout l'international, c'est pas yo même. Dès vous pas ca camper droite pour garder étranger à nanger, c'est tout louyé. C'est job li wa fait c'est agenda li wa exécuter. C'est exactement ça qui a passé dans moment là. Et non pouvoir l'État. Avant nous attendre intervention Maître Louis Charles Jean-Joseph là, nous gagnons ministre Affaires étrangères madame Dominique Dupuy qui portait situation pays d'Haïti non UNESCO. Si n'a pas rappelé nous bien, UNESCO c'est là Dominique Dupuy t'a travaillé avant que le vienne ministre Affaires étrangères. Eh bien, il t'a exprimé lui sous situation haïtien et crise pays a connaît déportation tout trahi calamité haïtien subi journée jodi an, eh bien li expose yo nan UNESCO. Nous pral tande ensemble avec moi bien rapide intervention ministre et nous pral gagner tout de suite après nous pral gagner Maître Richard Joseph qui pral ba nou en raison en plus si on responsable on autorité dans l'état ka campé dans instance internationale yo pour le décrimiser calamité souffrance nous eh bien li important nous même pour nous assumer responsabilité nous pour nous suspendre souffrir
pour nous camper souffrance ça yo. Si l'état pas prend responsabilité yo pour camper souffrance ça, eh bien nous-mêmes nous supposé camper pour nous défendre terrain, pour nous défendre douane. On nous attendre regarder intervention ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuy. On a donner la parole à son excellence madame Dominique Dupuy, représentante au conseil exécutif, ministre des affaires étrangères, des affaires religieuses et des haïtiens vivant à l'étranger. Madame, vous avez la parole pour Haïti. Madame la présidente du conseil exécutif, madame la directrice générale, excellences, chers collègues, j'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique, qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombre ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, et devenus l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveaux jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir, nous entrons longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire.
d'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venue vous dire que chez moi, nous mourons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée, arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduit, à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Voilà, là nous sommes attendus ensemble avec moi, intervention et ministre des Affaires étrangères, là, Madame Dominique Dupuis. Si c'est pour belles paroles, si c'est pour paroles intenses, si c'est pour paroles profondes, si c'est pour gros paroles. Il y a un peu de bagaille qui se dit là, et franchement, et moi, je suis très saillie, je suis transcendée, je suis transportée. Hein? Je suis transportée parce que, ou senti la parler avec un homme, la parler avec énergie, la dégageant énergie. Mais, oui, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on a porté parole à Haïti, dans la tribune des Nations Unies, devant OEA, devant CARICOM. Mais pour qui résultat au final? Au final, c'est pour qui résultat? Qui ça international l'a fait? Et ces gens, représentant Mali, dans le commencement de l'émission, on a partagé avec nous en vidéo. C'est même moun sa yo kap gade nou kap koule en babal. Kap gade nou kap tombe en babal. C'est même communauté internationale sa kap gade nou kap dépéri, kap dépafini, ki kwaze bra yo, ki gon silence complice. Inaction yo compense, inaction yo arrange. Et que le te nèg exam, que le te bandi ak cravate, que le te bandi ak sapat, que le te oligarchie, etc. Parce que nous face avec un l'État complice, nous face avec classe politique complice, nous face avec une société civile complice. Donc, moun a mouri, moun a perdu la vie. Yo. Oui, ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis, côté le passé, li levé flambeau Haïti, li parlé, belle parole, gros discours, etc. Mais au final, qui ça changé pour Haïti? C'est ça, oui, c'est ça. Au final, la dialectique de la parole. C'est parler nous qu'a parler, c'est diplomatie nous qu'a fait. Mais est-ce que là nous parler c'est pas nous dizaine parler? Est-ce que là nous parler tout le monde ça qu'a regarder nous? Est-ce que yo tendez nous? Est-ce que yo comprend nous? Est-ce que yo tendez cri nous? Est-ce que yo ouais désespoir nous? C'est avec réponse ça oui pour nous, c'est réponse ça pour nous. C'est avec réponse ça pour nous attendre nous. Donc si nous bouquer parler ou pas tendez nous, eh bien moment arrivé pour nous prendre responsabilité nous. Moment arrivé pour nous faire bagaille. Non, c'est ça, nous avons mis M. Plucher Jean-Joseph qui lui-même vient parler avec Payan.
Après l'intervention de Philippe, il est extrêmement important pour nous attendre dans bon petit mamite qui sa intervention, Maître Richard Jean-Joseph là, lié. On nous attendre ensemble. Avec Gary Conil, c'est ça que nous même nous te toujours dit. Nous toujours dit. Là nous dit nous préparer, nous préparer. Mm-hmm. Nous ka manger patate, nous ka manger maïs, nous ka manger tout bagay. Nous prêt pour nous marron tout. Oui, nous prêt barré. Jodi nous prêt pour nous bailler vie nous en holocauste. Nous pas prêt pour nous dire nous prêt le pouvoir, nous prêt négocier pouvoir. Nous pas besoin pouvoir, nous clair. Attendez. Nous clair, attendez, nous clair. Est-ce que parole ça c'est parole Maître Richard ou c'est parole? Écoute. Jodi où est révolution à travers Maître Richard? Et nous toujours dit même à travers plateforme force révolution ça créé. Maître Richard toujours dit. Nous pas des amis nos frères. M'pa ka placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Tenez bien, m'pa placer amitié au-dessus de l'intérêt pays. Quel que soit moun nan force révolutionnaire qui pa ta wè intérêt pays. Si nous pas gen une vision commune, bon garanti mais je pas là. Parce que Maître Richard Jean-Joseph toujours dit, li besoin un mieux zèp pour peuple haïtien. Li besoin garder garanti un sérieux. Comment faire comprendre l'école ou 90% ti moun pa ka l'école. C'est là l'autre besoin il va avec nous. Et on vient là avec nous. Comme on comprend que lycée tout c'est qu'on aime faire toute vie. Qu'on est obligé de fonctionner deux fois seulement par semaine, samedi et dimanche, dans un petit local. Or, on a un bel local en bas là. Or, nous avons une force kenyan qui dit que ont récupéré toute zone ça. Jusqu'à présent, le conseil présidentiel a toujours siégé dans la ville d'accueil. Jusqu'à présent, l'hôpital général n'a pas qu'à fonctionner. Jusqu'à présent, la faculté de médecine, sciences humaines, ethnologie, odontologie, ils n'ont pas qu'à fonctionner. Monsieur, pour qui ça nous prend mouna? Nous prenons tous haïtiens pour des poupées de chiffon, pour des canards sauvages. Sous pression que l'international a coupé visa nous. Visa sous couteau à zikelier, monsieur. L'illégalité pour nous suspendre 20 pays nous pour visa. Je dis, c'est bataille ça que nous autres, à travers force révolutionnaire, nous préparons nous et bataille après lancer à partir du 17 octobre. Et ça fait que nous toujours du monde. Nous prenons pour des chiffons, nous prenons pas coup. Parce que l'illégalité. Pour Occident comprendre que nous autres, nous t'es phare liberté. Nous t'es aidé pile pays pour l'indépendance. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire nous payer? Si la France, je dis, reconnaît l'esclavage, c'est un crime. Mais je dis, c'est même nous, même oui, qui mettait avec le Canada, les États-Unis, pour mettre Haïti côté qu'il y a. C'est ça qui fait que nous autres, nous dit peuple haïtien, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Jean nous t'ai fait 1804 forme dit nous bien 1804 l'état pas créé en 1804 on tire rectification l'état nous a créé à partir de 1801 parce que depuis qu'on a une constitution l'état créé puisque nous avons une constitution 1801 donc l'état est créé toute institution était là affaire y a dit que nous c'est des petites vanipiers des petits esclaves non nous c'est des petits officiers des petits colonels des vaillants garçons. Parce que l'État noir était existant à partir de 1801. Donc, la nation haïtienne prend naissance à partir de 1804. Qui donc, Maître Richard, 17 octobre, quand vous là, jeudi. Jeudi, ça. Nous mettons en nous avons joué cap mauvais. J'en attendais dit, bouger ça, mauvais. Et nous autres, nous toujours disons. Est-ce que vous n'avez pas toujours nos éternelles manifestations, on veut retourner le petit avant, on faut chauffer pied, on faut chauffer jarret. Est-ce que c'est vers ça, nous aller? Est-ce que nous faisons manifestation, et puis à chaque deux, trois bonbons de gaz, et puis nous dispersons d'aller, et puis nous allons regarder devant l'autre encore. Là, si c'est comme ça, nous allons aller, nous Écoute. Je dis en bataille 17, n'est pas bataille, mais lui cher. Bataille 17 là, pas bataille Guy Philippe. Bataille 17 là, li pas bataille Joachim Isnadien. Bataille 17 là, bataille peuple haïtien. Est-ce que peuple a conscience si, de ça? Si je dis là, dans le niveau que nous y est là, grand goût, misère, insécurité, où le peuple haïtien t'achète à la caille, toujours, finalement, nous tout mettons, tout mettons tête nous. Parce que bataille 17 là, c'est bataille peuple haïtien. C'est bataille tout le monde. Je veux dire, c'est comme un assassinat de Saline dans le pays. Non, mais juste avant, c'est bataille tout le monde. Mais nous-mêmes, nous c'est chef de file. Est-ce que nous vraiment, quand on s'en sort, on est-ce que nous changeons de stratégie tout? Non seulement changer de stratégie, mais est-ce que vraiment nous sentons nous devons toucher en plus la population qui décide de lever, juste ça pour dire bon, nous allons changer ça. Écoute. D'ailleurs, c'est bataille ça qu'on a fait là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, pour sensibiliser une population, c'est un groupe de monde qui dit bon, moi-même, pas de problème. Mais je dis là, en nous prenant exemple, telle fois pour le vide de la Kali là, il saute la Kali pour le vide de la radio là,
c'est les rivières la caille. Oui, moun la caille connaît que tel fois là. De vous prendre là oui aujourd'hui. C'est leur entrée oui. Moun la caille connaît là. Kidnapping là retourner encore oui. Aujourd'hui c'est pas mettre Richard qui pour sensibiliser moun pour dire mes amis, prends conscience de l'état encore non. C'est pas qui Philippe qui va dire que aujourd'hui situation pas bon non. C'est nous tout qui ouais lui. Nous tout nos problèmes aujourd'hui. Nous tout pas calme dans grand sud. Nous tout pas calme dans nord, nous tout pas calme plateau central. Mais ça fait l'affaire de Steve Kaoli. Ça fait l'affaire des oligarques. Parce que pour sortir ça en machine là, pour aller là à Tigouaf, c'est 2 000 à 2 500 dollars américains. 2 000 à 2 500 dollars. Je dis, insécurité planifiée, oui. Si que nous-mêmes, moi-même, ou même nous tous, nous pas mettre ensemble pour nous dire, monsieur, nous concernons, par exemple, pour nous faire 1804, des salines pas mobiliser, moun, non. Tenez des déclarations des salines. Les gens besoin garder dans fort avec là. Nèg qui connaît au libre. Nèg qui connaît. Yo pas voulu tourner esclave français yo parce que nèg dans constitution déjà. Nèg qui connaît que nous pas quitter au libre la piller nous. Nèg qui comprend que nous pas vendre pays nous pour visa. Nèg qui comprend que nous pas prendre cacher famille nous à l'étranger. C'est ça il de sa ligne dit dans fort là. Jodi 17 octobre c'est ça le balier. Moun n'a besoin dans la rue, c'est moun qui conseille de l'état. Moun qui connaît pas qu'à manger. Moun qui connaît sécurité à frapper. Moun qui connaît jodi. Yo pas de caille pour y arrêter. Et si n'a regardé article 36 constitution, li clair, li dit l'état doit garantir yo caille. Son droit qui inaliénable. Que, mes questions. Donc, non, jodi, c'est pas question de sensibiliser le peuple. Est-ce que cette fois, vérité, m'a posé une question. Bataille ça. Son bataille qu'a mené pour peuple là parce que nous d'accord que peuple là li sorti li goumé en pile fois déjà yo goumé en pile nous pas me compter dernière fois là il est sorti encore dernière fois au mobilisé au goumé qui est-ce nous que là nous conseil 9 têtes exactement dernière fois au goumé qui est-ce que mon dieu que bon nous gérer la tortue chaque fois au goumé yo la go moun c'est même international qui descendait la go moun malgré sorti le problème n'a pas jamais yo bon nous gars ici yo bon nous 9 moun 9 têtes c'est est-ce que nous redéfinir des stratégies pour nous conseiller que chaque fois nous sorti comme ça nous échouer parce que nous échouer Gédoua Gim qui pas d'accord à moi, mais nous échouer. Laissez international là qui vient de bon au monde, nous échouer. Aïe, nous n'avons pas besoin de goûter, non? Oui. Vous si c'est vous qui mettez mon avant, c'est vous qui changez jouer encore. C'est même bagaille qui a posé fait. Écoute. Donc nous pouvons espérer le chemin. Dans toute bataille, il y a des traites. Même en 1804, l'ENDA fait 1804, il y a des traites dans le temps. Mais nous sommes arrivés à identifier les traites et puis. Nous sommes allés vers une bataille qui va nous aujourd'hui en Haïti. Mais non, bataille où est qui fait dans le passé ou là? Ce n'est pas bataille pour te changer pays, c'est des batailles pour retirer quoi là, mettez là. On nous prend un exemple qui est clair. Moi, Jean-Charles, c'était un cadavre ambulant. C'était un cadavre politique. Une fois que leader l'en vini. Mais le bonsoir, oui. Il vini, écoute, il pas bon, non, il pas bon sous nous, il pas bon sous nous. Ah, bah, le fait ça. Non. Il pas bon sous nous. Il trahit l'idéal de sa ligne. Il pas bon sous nous. Écoute, ceci. Lorsqu'il y a un peuple qui croit dans vous, qui dit que vous considérez comme lumière, lumière ça, qui t'a permis de faire une direction, même ou même encore que tu dis que, on nous prend exact, monsieur. Moi, Jean-Charles, tu dis que 9 membres, c'est 9 moun kapral gaspiller pays. C'est 9 moun kapral piller. C'est 9 braquer. Jodian, c'est 9 moun kapral débattre pays. Jodian, Vertilaire, en tant que représentant petit de Saline, nous essayons de 9 braquer. Et ceci, c'est pas société à qui dit que c'est braquer, non? Ils fait des aveux. Excusez-moi, en droit, il y a différents types d'aveux. Je vais vous exemple. Si. Gon à quoi qui vini, qui dit, n'a pas mette Leslie Voltaire, mais nous-mêmes, nous pas cap jouer au président conseil là, parce que yon indexé nous dans la corruption. D'accord? Nous acceptons nous si, n'a posé signature nous en bas à quoi, qui sauve le fait là, et pas à faire. C'est du dire que m'd'accord dans la corruption. C'est aveu que yon fait. Jodian, ça montre que, Samuel Jean-Charles Détian, c'est confirmé. Mais jodian, peuple haïtien, pral ouè qu'on y a là, côté vérité yé et côté menti yé. Est-ce que nous autres, nous t'ai au pouvoir déjà, nous t'ai canalisé vers l'Occident ou vers les oligarques ou bien vers le peuple haïtien? Je dis, mais objectif bataille noire. C'est retirer bataille là, gouvernement, pouvoir là, dans mes Occident,
retirer le nom, mais certains, nous ne pouvons pas dire tout oligarque parce que y a des moyens de production, ce n'est pas tout qui peut avoir au moins bonheur haïtien, mais qu'on partit dans yo. C'est retirer lui dans mais d'ailleurs, c'est pouvoir politique que Jean-Marie Jean-Charles de Dion qui pour ba nous moyens économiques là, mais c'est pas moyen économique pour nous pouvoir là, mais malheureusement, on va garder dans présidence tout là. Qui est-ce qui va faire élection? C'est moun qui représente secteur économique. Nous prenons note, nous chita ensemble dans cellule de réflexion, fond qui lance mouvement ça pour 17. Vous dit monsieur, mais ça ne se fait la soirée à Henri. Et mais qui couper nos points. De nèg allié te gagné tant que Claude Joseph. De allié qui te gagné tant que Maurice Jean-Charles. Et tant de l'autre allié jodi a qui n'a pouvoir ça. Est-ce qu'on passe au pain de au pain feuille qu'on nous garder. Qui compte ça qui permet nous prendre coup ça yo. Et nous dit cette fois-ci jamais plus jamais bataille nous pour le mener là dans nos rangs point de traite. Ou bien tout est-ce que nous ajouter ça, est-ce que nous devons continuer surveiller parce que nous avons l'autre qui toujours. Est-ce que nous devons continuer surveiller? Est-ce que nous mettre des balises tout pour ne pas prendre le même couillon peut-être que là nous pas prendre le ministère à chercher. Est-ce que nous faisons ça? Pas oublier que au niveau plateforme frein nous entendons sous ça déjà. Nous dit que nous mettez entre nous pour une facilité l'autre là. Ils ont la vie agréable pour personne par la recherche du pouvoir. Parce que c'est ça qui mettait nous là, je tiens là. C'est automatiquement que nous avons offert nous deux postes ministères et puis nous avons éliminé, nous avons tué sous pas d'accord. Et ça, blanc, on est. Sous ça, nous entendons nous déjà, nous avons seul direct. Nous avons seul direct. C'est pour l'une des ouais, frère. C'est pour si c'est comme ça le vini. Frère, la boule freine toute dérive qui a dans le pays. Frère, la boule freine toute nègre qui me demande un frère qui pensait que vous allez négocier. Nous clair là-dessus. Nous dit que nous gagnons direction. Et ceci, li clair. C'est la patrie ou la mort. Nous clair là-dessus. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous clair là-dessus. Et moi-même moi dit, maître Richard Jean-Joseph Campbell dit. Non frère, quel que soit monde, ferme confiance. Quel que soit monde, qu'a négocier. Maître Richard Joseph va venir dénoncer là dans micro vérité. Nous connaît Richard pas peur monde. D'ailleurs, je toujours dit, à chaque femme qui te caille, moi dis tout le monde la caille, adieu. Et je toujours dit, mon corps au chien, mon âme à la nature. Je ne peux pas dire adieu parce que je n'aime pas Dieu. Je ne sais pas, mon âme à la nature. Ça fait que nous autres. Donc, 17 octobre, nous parlons, sur l'autre bataille, encore, et cette fois-ci, nous dit sur l'autre direction. Sur l'autre bataille. C'est une bataille pour nous changer les conditions de vie haïtienne une énième fois. Parce que nous prenons trop causé. Regardez ça qui a passé en République Dominicaine. Ah, c'est affreux. C'est triste. Et, quelle image j'ai regardé la parrain? Nous parlons une image côté un policier dominicain. Il vient à gauche, il vient à droite. Pour haïtien coucher sur un dos. Monsieur, il y a un qui couche. Pas grand yel qui a fait quoi? Il est figé. Je dis, nous avons carence en diplomatie. Nous avons soit un ministre affaires étrangères. Nous, tout le monde a battu bravo pour lui. Ils sont très belles têtes. Ce sont des gens qui croient dans mes jodis. Est-ce que nous avons un monde qui a osé convoquer ambassadeur dominicain moi que le civil de TFL pendant mettre lui j'ai rappelé ça ambassadeur est toujours là TFL toujours là li boudé ambassadeur évitation personne pas dit rien personne pas dit que ambassadeur après 48 heures de temps ou supposé nous supposé considérer comme persona non grata quitte le pays immédiatement et s'il a fait ça nous prendre la rue 17 octobre. Nous prenons la rue du 7 octobre. Nous même si le gouvernement n'a pas qu'à déclarer ambassadeur, personne n'a une grata. Dans nos forces révolutionnaires, nous devons déclarer le personne n'a une grata. D'ailleurs, lien qui est entre ambassadeur de un pays à l'autre, c'est pour nous faire des échanges commerciaux. C'est pour nous partager sur la culture que nous gagnons. Si je dis à nous gagnons un président qui dit yo pas de haïtien visa, ambassadeur n'a pas de raison en Haïti. Souti que Haïtien pas capillé sur l'eau, consulat n'a pas de raison d'être en Haïti. Et n'a pas demandé à moun qui dans zone frontalière. Comment c'est bloqué pour du Dominicain? Comment c'est bloqué pour du Dominicain? Haïtien qui est en République Dominicaine, comment c'est fait grève? Moun qui a fait nos codes de vie, comment c'est fait grève? Nous pas le montrer Dominicain, nous sommes un peuple qui est fier. Nous sommes un peuple qui est vaillant. C'est nous-mêmes qui fait Dominique à vivre. La République Dominicaine à vivre à travers les Haïtiens. Parce que tout job salio, c'est Haïtien qui accepte de faire. Haïtien, le fait que vous avez des dignité, je veux dire, vous avez derrière en Haïti, vous avez cherché au mieux être. Je crois que, mais par respect pour la bataille que nous avons fait pour nous défaire Saint-Domingue, je dis, je pense que Luis Abinadel t'a compris. Mais malheureusement, c'est un plan que nous avons exécuté. C'est nous autres qui devons anticiper sur le plan que vous avez pour le peuple haïtien. Et nous disons, ensemble, nous avons triomphé et nous avons défié le plan que vous avez pour le peuple haïtien.
n'a pas pour nous dire peuple haïtien. Jean que nous te dit déjà. C'est une bataille qui longue. C'est une bataille qui périlleuse, mais c'est une bataille que n'a réussi. Même Jean, son bataille qui t'a préparé depuis 1803 pour nous arriver faire 1804, c'est même Jean nous connaît que misère nous peuple haïtien, nous connaît souffrance nous. Surtout moun qui n'a en battant yo. Moun qui n'a abri provisoire yo à travers établissement scolaire yo. Moun y a déporté massivement illégal en République dominicaine. Moun insécurité fait occuper caillou. Micro moun qui t'a remé à l'web famille yo en province qui pas capable. Machan qui t'a remé vin vendre commerce dans Port-au-Prince nous pas capable. Mobiliser dans commune nous, mobiliser dans département nous, mobiliser dans section communale yo, moun plateau central, mobiliser à travers Inch, Mirbalet, mobiliser moun au cap, mobiliser Juanamet, mobiliser moun Jérémy, Grandance, mobiliser mais nous autres à travers force révolutionnaire et toute l'autre entité yo k'ap koumé pour yon demain meilleur, n'a di yo, nous autres nous sommes déjà au fond et nous dit que l'île, l'étant pour Occident comprendre que ça que y a fait, peuple haïtien pas accepter. L'île, l'étant pour nous quitter ces peuple haïtien qui choisit. L'île, l'étant pour nous suspendre, bah nous gouvernement truqué, gouvernement fantoche. Si nous considérons Haïti comme un pays qui plus pauvre, nos Caraïbes blancs, pour qui ça que nous pas quitter peuple haïtien décider de par eux-mêmes. Pour au moins pour nous, si nous sorti dans la situation que nous avons, nous avons dit peuple haïtien. 17 octobre, nous avons tout le monde dans la rue. C'est tout le monde qui est conscient que nous avons des problèmes d'insécurité, nous avons des problèmes de gang, nous n'avons pas qu'à voir les petites nous l'école. Oh, nous n'avons pas un état qui est pauvre, nous avons un état qui est riche, mais nous avons une population qui est pauvre. Je dis, 17 octobre, on a fait équilibre dans la rue. On a fait équilibre dans la rue pour nous retirer Haïti dans ce que nous là. Merci. Et voilà, nous s'attendons, Maître Richard Jean-Joseph, qui lui-même lui a porté parole révolution. On pas vraiment gagné commentaire, on va le faire, pas gagné commentaire, on va l'ajouter. Et rendez-vous, hein, yo cassel pour 17 octobre, dans 3 jours encore. Mobilisons amis, on famille proche, ou aïe, c'est que senti yo fatigué, yo bouqué, yo lassé, yo. Pour nous dire non à ce système baisé sous ça. Oui à sécurité, oui à souveraineté, oui à respect ou à moun. Oui, à stabilité dans le pays, nous, Haïti. Donc, c'est pour ça, pour nous, al porter revendication, nous, pour nous, al faire voir nous passer, parce que le pays n'est pas capable. Quoi. Et c'est là, nous avons mis un bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous porter information sur la pour vous. Restez connectés avec Chanel. Là. Rendez-vous en cas dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que ce Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yann.